et le porte-étendard du bloc républicain dans la 20e circonscription électorale mobilise responsables et militants en grand nombre du parti à la maison des jeunes d'après-midi CRT dans l'après-midi de ce mercredi 2 octobre 2024. Mathias Kouano, alias Akoma, le bulldozer de la 20e circonscription électorale, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a été majestueusement accueilli à sa descente. Épaulé pour la circonstance par ses lieutenants de toutes les communes de la 20e, qui sont les coordonnateurs d'arrondissements et communaux accompagnés d'une forte délégation venue de Bono, Adjong, Dangbo, Apromisérété et Avrankou, la présence massive de ce parterre de militants du bloc républicain a rempli la salle de la maison des jeunes d'Apromisérété. C'était à l'occasion d'une mission plus que républicaine. C'est avec un grand regret et pincement au cœur que nous tenons à exprimer devant vous, chers responsables du parti du Bloc républicain de la 20e circonscription électorale, la présente déclaration pour apporter notre soutien indéfectible au président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence Patrice Talon, et à l'ensemble des institutions de la République, suite au coup d'État manqué le 24 passé, qui a tenté de déstabiliser notre cher pays, le Bénin, à le mettre à genoux et à semer le chaos. Un acte aussi ignoble et cruel, dirigé contre notre démocratie, contre le programme d'action du gouvernement et contre le peuple béninois, ce qui constitue une attaque contre les valeurs fondamentales qui unissent notre nation. La tentative de renversement du pouvoir d'État, des institutions légitimes, est non seulement un acte criminel, mais également une trahison contre les principes fondamentaux de notre peuple souverain et de notre nation. Une déclaration qui vient certifier une fois encore le soutien indéfectible du Bloc républicain au niveau de la 20e circonscription électorale au président Patrice Talon pour ses œuvres salvatrices au profit de tout le peuple béninois. Et en ce moment sensible, le parti du cheval blanc cabré s'indigne. Face à une telle menace, le Bloc républicain de la 20e circonscription électorale et tous ses composants condamnent fermement cette tentative de déstabilisation qui aurait dû plonger le Bénin dans le noir, dans l'obscurité. Cet acte criminel est inacceptable et contraire à la volonté du peuple, à l'esprit de paix, de justice et de liberté. La démocratie béninoise est chèrement acquise au prix de lourds efforts consentis et nous avons l'obligation de la préserver. Toute la coordination du Bloc républicain des 5 communes de la 20e circonscription électorale réaffirme son soutien total à son Excellence, le président Patrice Talon, à tout son gouvernement, aux institutions républicaines et aussi à son leadership éclairé grâce auquel le Bénin continue d'avoir une bonne réputation au plan international et fait l'admiration du monde entier. À haute et intelligible voix, le bulldozer de la 20e, l'honorable Mathias Kouano alias Akoma, au nom de toute la coordination du Bloc républicain, rassure le président Patrice Talon. Monsieur le président de la République, votre détermination à garantir la stabilité et à la continuité de l'État a renforcé notre nation en votre leadership. Vous avez su faire preuve de courage et de sagesse face à cette épreuve et pour cela, nous vous exprimons notre plus grande gratitude. Nous saluons également la bravoure et la stratégie de nos forces de défense et de sécurité qui ont pu déjouer
avec professionnalisme cette tentative de coup d'État pour protéger la République et préserver l'ordre constitutionnel. Que le ciel, la terre et les membres de nos ancêtres protègent la République du Bénin et son président. Ensemble, levons-nous comme un seul homme pour la protection de notre démocratie et pour la construction de notre pays. Cet engagement renouvelé du Bloc républicain aux côtés du chef de l'État, Son Excellence le Président Patrice Talon, vient confirmer une fois encore la crédibilité, la fidélité et le sérieux des dirigeants au niveau du Parti pour le développement du pays que prend le Président Patrice Talon depuis son avènement au sommet de l'État. Mathias Kouanou, alias Sakoma, a une fine exhorté les siens de la 20e circonscription électorale au calme.